Bonjour à toutes et à tous. Après une pause profondément ressourçante, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet audio consacré aux énergies de la pleine lune en scorpion. Une pleine lune qui est porteuse d'une énergie de fin et de commencement. Elle permet une transformation profonde. Favorablement reliée à Mars en cancer, elle insiste sur le fait que la vie n'est pas un combat, une succession de défis ou une course folle contre la montre. Mars en cancer dépose son armure pour être sensible, réceptif. Il a le courage de ses émotions et il avance en se fiant à ses ressentis, guidé par ses perceptions. Ses tripes lui parlent bien plus que sa raison. C'est une pleine lune qui nous invite à intégrer l'énergie de Saturne, qui se trouve à la pointe d'un carré en T, où la lune et le soleil s'opposent non loin de Vénus, Lilith, Mercure et Uranus. Cette figure astrologique nous invite également à accepter l'énergie ou intégrer l'énergie d'Uranus. D'un côté, ce qui est, de l'autre, ce que l'on voudrait qu'il soit. Impatience, patience, frustration, colère, patience, patience, nous disent les énergies du taureau. Accepte ce qui est et ne cherche pas ce qui devrait être. Accepte-toi comme tu es et ne cherche pas à être ce que tu devrais être. Pars de maintenant, de là où tu en es maintenant, ce qui est maintenant, ce que tu es maintenant. En vérité, en réalité, en fait, en fonction de ce que je le ressens, cette pleine lune nous invite à regarder à l'intérieur de nous pour nous connaître. Elle est en scorpion. Et avec le scorpion, nous pouvons avoir la lucidité et nous accueillir dans nos différentes facettes, faites d'ombre et de lumière. Nous pouvons nous accueillir autrement et prendre conscience que l'ombre n'est pas le mal et que la lumière n'est pas le bien. L'ombre et la lumière, tels le yin et le yang, nous offrent en réalité, en vérité, selon ce que je ressens, une danse mystique, magique, transcendantale. Ombre ou lumière, l'une ne va pas sans l'autre. Lorsque l'ombre nous éteint, nos blessures, nos mémoires douloureuses sont mises en lumière. Mais nos blessures doivent-elles être guéries à tout prix? Devons-nous éradiquer la douleur? Cela reviendrait à ne plus rien ressentir. Et donc, à nous couper de notre humanité. Et si ce qui était mis en lumière ou ce qui va être mis en lumière à l'occasion de cette pleine lune va nous être révélé, en fait, nous permettait tout simplement de nous accepter. C'est en acceptant nos failles, nos blessures, que nous pouvons les transmuter.
et transmuter, ce n'est pas un enjeu d'amélioration de soi ou la quête d'une vie parfaite. Bienvenue dans ma vieparfaite.com. Je suis épuisée et vide à l'intérieur, mais vous savez quoi? J'ai une vie absolument parfaite. Tellement géniale que je vais la mettre en scène sur les réseaux. Vite, vite, les gens, likez s'il vous plaît. Et prouvez-moi que ma vie parfaite est vraiment parfaite. Pas de jugement dans ce petit aparté. Je suis la première à faire cela, dans ma parfaite imperfection humaine. Mais il y a aussi ces moments où un sentiment profond de plénitude et de joie s'empare de moi, s'exprime à l'intérieur de moi, s'exprime à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Notre vie est loin d'être parfaite, mais peu importe, notre cœur bat, nous vibrons, nous ressentons, nous sommes en connexion avec un truc génial qui est en nous. Nous nous exprimons d'une autre façon. La vie est un jeu d'ombre et de lumière, où les épreuves, nos maladresses, nos erreurs, nos imperfections nous enseignent et nous révèle. L'adage dit souvent que l'erreur est humaine, comme s'il fallait nous excuser. En réalité, correctement traduite ou traduit, cet adage dit qu'il est dans la nature de l'homme de faire des erreurs. Errare humanum est. Subtile différence qui fait pourtant toute la différence. Ce sont souvent nos blessures ou nos erreurs qui nous délivrent. Elles sont le terreau fertile de notre créativité et avant tout, je pense, de notre humanité. Au fond, cette pleine lune nous offre une voie nouvelle d'acceptation et d'écoute de nous. Une voix non duelle, non jugeante, non séparante. Une voix douce, aimante, transcendante et spirituellement cool. Allez, on se lâche la grappe avec les obligations de résultat et on se fait simplement le cadeau de construire un monde de paix et d'amour à l'intérieur de nous. C'est déjà pas si mal. C'est bien assez. Car soyons honnêtes. Si notre vraie nature, c'est notre âme, mais que nous n'y sommes pas connectés à cause de notre personnalité, what the fuck? Pourquoi sommes-nous sur Terre en train de vivre à 99,9% les expériences qui sont en lien avec notre personnalité. Et si nous acceptions tout simplement nos failles, nos défauts, comme autant de perfections ou d'expressions de la vie en nous? Et si nous osions avoir le courage d'être simplement nous? L'air du Verseau, c'est une ère d'expression de soi, de différence, d'oser être soi, de liberté d'être soi. Une ère où nous n'avons pas à passer en force pour exister. Nous avons juste à être, mais être ne veut pas dire pur. Être, c'est ce que nous sommes, dans notre différence, dans notre spécificité. Dans le thème de cette pleine lune, Vénus, conjointe à Lilith, la rebelle, Uranus
et le soleil, Lilith, Vénus, Uranus, le soleil, sortent des sentiers battus. Vénus ne revendique pas sa place au panthéon solaire. Lilith non plus. Elles sont solaires, lunaires. Elles sont tout un tas d'autres choses, lumière et ombre. Céréales chopeuses, séductrices, je me la pète grave sur Instagram et j'en passe. Elles sont ce qu'elles sont. En réalité, leur place est là où se trouvent leur cœur et leur conscience. Elles n'appartiennent qu'à elles. Elles sont leurs propres forces et ressources. Cette pleine lune nous invite à nous libérer de ce qui n'est pas nous. Mais elle nous demande pas, elle ne nous demande pas de nous débarrasser ou de nous purifier de ce que nous pensons être négatif en nous. La purification du scorpion, c'est un processus alchimique de transmutation. Et non, une grande lessive du dégueulasse. C'est une transmutation qui nous libère. Nos personnages, nos mises en scène, tout ça, ce sont des puissants gardiens pour notre survie. Si nous cherchons à les désintégrer en entretenant l'illusion qu'il nous faut à chaque portail zodiacal transformateur, portail du scorpion, le portail du poisson, des poissons, purifié ou dès qu'il y a Pluton, si on entretient l'illusion qu'à chaque fois qu'il y a un portail purificateur, on doit désintégrer, purifier le mauvais en nous, vous savez quoi ? Nos structures, nos personnages, nos mises en scène, ils vont faire quoi à votre avis ? Ils vont se renforcer. Dans le Moon Journal, j'ai écrit ces mots pour parler de la pleine lune. Là où le taureau en moi éprouve le besoin d'accumuler pour sa sécurité, le scorpion en moi cherche l'essentiel, la richesse d'âme et de cœur. À relire ces mots, je me rends compte que j'ai présenté le taureau comme le mal et le scorpion comme le bien. Et de poursuivre que si nous n'apprenons pas à nous contenter, tôt ou tard, que nous obtenions ou non ce que nous désirons, nous serons toujours pris au piège d'une éternelle insatisfaction. Peut-être, en effet, mais si nous ne sommes pas prêts à nous contenter, en réalité ces mots sont d'une grande violence, ils sont culpabilisants. En réalité, nous nous contenterons lorsque nous serons lassés de ce mode de fonctionnement. Mais tant que celui-ci sera bon pour nous, nous continuerons à être éternellement insatisfaits. Bienvenue dans monimparfaitevie.com. En fait, on ne nous demande rien. L'univers ou la vie n'attend pas de nous que nous soyons meilleurs, plus sages, plus purs, plus conformes, plus ou moins quoi que ce soit d'ailleurs. La vie nous invite au jeu. Nous sommes la vie, nous sommes le jeu. Elle nous propose d'être totalement nous, pleinement nous. Proposons-nous d'être totalement nous, pleinement nous, véridique, relié à notre trip, authentique, imparfait. La vie, c'est nous, nous sommes la vie. La vie n'est pas extérieure à nous. Ne cherchons pas à arrêter le mouvement de la vie en nous figeant dans des postures, des identités censées nous rassurer, nous empêcher de souffrir et illusoirement de mourir. Car non, nous nous figeons et nous essayons d'arrêter le mouvement de la vie pour empêcher la souffrance et pour empêcher de mourir. Prenons conscience de ça. Mais la vie est mouvante, changeante, danse transcendante, comme la roue du zodiaque est une danse transcendante, une danse qui n'est pas extérieure à nous, une danse que nous sommes les 12 signes du zodiaque, ils sont en nous. En fait, à chaque seuil astrologique, à chaque
À chaque passage zodiacal, nous avons la possibilité de mourir à une façon de vivre, pour renaître à une nouvelle façon de vivre. Et j'aime à croire que la pleine lune en scorpion nous rappelle que tout ce qui se meurt en nous se transforme. Et lorsque nous mourons, à certains de nos personnages de nouveau apparaissent. Et il me semble que nous porterons ou afficherons toujours, d'une façon ou d'une autre, des artifices, des apparences et des beaux costumes. Car l'être humain est ainsi fait. Et c'est en cela que les formes et la matière du taureau sont infiniment belles. Dans nos quêtes de transformation, sachons rester simples et humbles. C'est-à-dire simplement humains. Humbles, humains. C'est de la terre fertile du taureau qu'est issu l'humus, humus, l'humain en nous, engendré par le scorpion. Ses costumes, ses apparences, ses artifices. Je crois sincèrement, et ce n'est pas une affirmation, que nous n'avons pas à les ôter pour apparaître à nu. Je crois que nous changeons d'habit, que nous changerons d'habit quand c'est le bon moment pour nous. C'est-à-dire quand notre personnalité ne sera plus intéressée par le jeu auquel elle est en train de jouer. Je crois aujourd'hui, sans affirmer quoi que ce soit, que ces costumes, nous pouvons les porter ou les exprimer en conscience, avec légèreté, avec insouciance, une certaine forme de détachement aussi. Un peu comme lorsque nous étions enfants et que, dans notre mal à déguisement, nous sortions des trésors qui avaient le pouvoir de nous transformer en princesse ou en crapaud, en prince. Ou en crapaud. En nous, se côtoient l'ombre et la lumière, nos multiples facettes intérieures. Elles se reflètent à l'extérieur et nous reviennent avec autant de grâce et de disgrâce que ces forces nous aimantent et nous animent. Cette lune en scorpion peut nous révéler avec puissance pour mettre en lumière la totalité de ce que nous sommes ou la totalité de ce que nous croyons être. Mais ainsi peut-être nous permettre de mieux nous accueillir. Il n'est pas loin le temps où je nous invitais, vous autant que moi-même, à nous aimer tels que nous sommes. Avec un peu de recul, un tout petit peu de recul aujourd'hui, je préfère nous inviter à vivre la douceur tendre et englobante de l'accueil de ce que nous sommes, sans injonction particulière. Mes amis, ah, j'ai l'impression de parler comme le président quand je vous dis ça. Mes amis, vous qui m'écoutez, nous ensemble, voici une pleine lune riche en intégration, en révélation, en prise de conscience, en libération uranienne assortie d'ajustement saturnien. J'espère qu'elle vous apportera une grande liberté d'expression de ce que vous êtes. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet audio différent, plus libre, plus imparfait, plus spontané, vous aura plu
Et je vous retrouve avec joie pour la prochaine nouvelle lune, en vidéo certainement. Et puis en attendant, bientôt avec de prochains audios. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.